Le timing est bon. Hein. On fait. Enfin, bon. C'est pas trop difficile. Les enfants, c'est des fois difficile. Un adulte. Ce qui reste après, c'est le comment vous faites un retarder le mouvement ou avancer. Là, faites vous retardez un mouvement par rapport à l'autre. Premier pas. Ensemble. Enfin, retarder et choper le moment en descendant. D'habitude. Ou vous faites un pas plus tôt. Enfin, et de créer la réaction de partenaire en balai. Ça va ? Faire réagir. Parce que je fais plus tôt, donc quel type passe. Ça va ? Ça peut être. Enfin, si l'autre il tombe pas, s'il avance, il lui dit qu'est-ce qui passe. Hop, construit. Mais là, avec le saut, comment on fait maintenant? Il fait 1, 2, ok, je balaye, retour en même temps. À la place, cette part là, je fais saute. Et au moment où il fait un écarte de jambe. Je gagne un pas, c'est que je retarde ou j'avance. C'est pour ça qu'on arrive à facilement choper le pied. Oui. Bon. Donc il faudrait, si je fais au culé, je vais en reculant. Voilà, et tout comme ça. C'est le même temps. Si je saute, je retarde le mouvement. Donc je ne peux pas faire la règle. Je fais que oculaire espalaye, retard. Retard. C'est en descendant. Un. Ce moment-là. Et le recul, finalement, tombe. Il tombe. Il tombe comme ça. Mais pas la règle. Il tombe. C'est là. Une sorte de oculaire espalaye. Par contre, si vous voulez faire un halai tugamasi en étant en mouvement normalement, halai tugamasi, si vous voulez changer un peu l'itinéraire, c'est utigari et halai tugamasi. Là, ça doit marcher, mais en sautant, ça doit être difficile. Pas si vous trouvez la solution. Ok. On va essayer de mouvement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, de déplacer. Ta. Ici là. Ta. Voilà. Ta. Je saute. Ok, pour ceux qui tombent, c'est vraiment, on s'est fait changer le place de poser les pieds. Pas vraiment, c'est balayé, ça fait un petit tour. Bonjour. Puisque je saute, je retarde. Alors, c'est ça. Tam. Ça joue? Vous testez une fois.